Voilà un rapport tout à fait étonnant, puisque vous vous proposez à la fois la plus grande autonomie en matière spatiale et que quelques lignes plus loin, vous affirmez cette chose incroyable, qu'il s'agit pour l'Union européenne de renforcer sa coopération et coordination avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, que nous appelons OTAN dans mon pays, et avec les États-Unis qui demeurent tous deux, les États-Unis, les garants de la sécurité et de la stabilité en Europe. Après avoir voté il y a quelques instants que les États-Unis organisaient des prisons secrètes où l'on torture les gens en Europe. Je trouve que tout ça est aberrant. L'Union européenne doit se préoccuper de démilitariser l'espace, car c'est la prochaine frontière, l'actuelle frontière de l'humanité, et il n'est pas bon qu'elle soit le lieu d'une multiplication des engins et des méthodes militaires de contrôle. À plus forte raison quand vous terminez en disant que vous avez l'intention de contrôler les embarcations qui emmènent des réfugiés. Tout ça est absurde.